avec maman. Maman, tu vas nous dire votre nom, là où vous habitez, et ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de la croisade qui était hier, à travers la vie de son prophète, prophète Franck. Oui, mon nom c'est Christine Conlac. Mais hier, je marchais très difficilement. Hier, là, Jésus-Christ a fait le miracle dans ma vie. Bon, quand j'étais quitté ici, c'était toujours mal, mais à la maison, il n'y avait plus rien. Ça vient petit petit, je vois que c'est déjà fini au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Maman ne pleure pas, c'est pour donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu sentais mal pendant combien de temps? Ça fait peut-être 30 ans passés. Yeah, 30 ans passés. Et avec le mal de pied là, tu es entré où? Tu es allé où pour trouver la solution? J'étais parti dans le camp-ci, je n'ai pas réussi. Yeah, dis que voisin, le camp-ci n'est pas la puissance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la puissance. Maman, tu dis que tu es parti où? Les hôpitaux et les hôpitaux. Tu es parti les hôpitaux et les hôpitaux. Tu n'as rien trouvé. Oui. Maintenant, quand tu es parti sur le Nkemsi, là, il t'a dit que quoi? Il a dit que tu fais quelque chose avant qu'il te traite. Oui, comme s'il ne peut pas manquer. Hein? Il ne peut pas manquer. Yeah! Dis que ouloulouloulou! Dis que ouloulouloulou! Maman, il a dit que tu as porté combien? Hein? Le Nkemsi a dit que tu as porté combien? J'étais à quelque part, on m'a demandé 130 000 pour mon enfant et moi. Yeah! 100 combien? 130 000. 130 000. J'ai dit que je n'ai pas. Je me suis rentré. Tu es rentré? Oui. Ça veut dire que si tu avais, tu devais le donner? Non. Dis voisin. Non. Et quand tu es venu ici là hier, yeah, maman, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Est-ce que tu as payé même un franc? Non. Et le mal de pied là que tu avais pendant 30 ans. Là, quand tu es venu, le serviteur de Dieu, prophète Franck a prié pour toi. Là, ça a disparu. Ça a disparu, mais ça manque un peu, je sais que c'est déjà fini. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Maman, est-ce que tu peux marcher pour que les gens voient que maintenant tu marches très bien? Marche-tu pas? Hey, maman, ne te baisse pas. Yeah! Ok, tu marchais d'abord comment avant? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Acclamer encore pour Jésus-Christ. Yeah, maman marche encore. Jésus, il a fait pour moi. Jésus, il m'a guéri. Jésus, il m'a délivré. Jésus, je suis fort. Acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Maman, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Déjà, et moi je m'appelle Tango Flori. Et puis je n'ai jamais eu foi en Dieu. Jusqu'à ce que dernièrement, depuis un certain nombre de temps, ma famille et moi, on a commencé à souffrir. Par un démon démoniaque qui a possédé ma belle-sœur. Et depuis lors, on a commencé à souffrir. Depuis cette souffrance, petit à petit, j'ai commencé à avoir foi. Petit à petit, j'avais un peu la foi en Dieu. Et dernièrement, avant qu'on annonce que la croisade devait être à Abuja, je ne pouvais plus visionner de tout près. Donc, je ne visionnais même plus. Et quand je voulais un peu visionner, j'avais tellement une migraine dans la tête, si bien que je ne voyais même plus la télé. Et depuis hier, quand je suis arrivé ici, là, on a d'abord commencé à prier. Mon monde était à commencer à diminuer petit à petit. Et quand le pasteur a mis la main sur ma tête, depuis ce matin, j'ai visionné sans couleur et n'ai pas encore vu ce mot de tête. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Certains acclament comme s'ils ne connaissent pas ce qui se passe dans la vie de notre Saint. Vous connaissez quand quelqu'un a le mot de tête? Qui a déjà expérimenté ça? Hein? Ça veut dire que ta tête est sur un hôtel comme ça. On prend le caillou, on coule comme ça là. Boum! Donc notre Saint dit que elle avait les maux de tête, elle ne parvenait même pas à visionner, ce n'est pas ça?
Ce n'est pas ça? C'est ça. Et quand tu as entendu que le prophète est en train de venir ici, tu étais content, non? J'étais très content. Parce que tu connaissais que ce qui te dérangeait, c'est que le diable a mis en toi là. Hein? Dès que l'homme de Dieu va prier pour toi, ça va partir, non? Eh oui. Laissez-moi vous dire, tout ce qui arrive dans la vie d'un être humain, ça te fait tu pleures, ça fait tu n'as pas le bonheur. Ça fait chaque temps que tu mets ta main sur ta joue, tu dis que, yeah, qu'est-ce qui se passe avec moi? Chaque temps que tu réfléchis, est-ce que ça peut venir de Dieu? Je ne vous entends pas. Est-ce que ça peut venir de Dieu? Dieu, c'est un bon Dieu. Dis que voisin, Dieu, c'est un bon Dieu. Ça veut dire que Dieu aime quand tu es toujours en bonne santé. Quand tu vis très bien, quand tes finances tournent. Quand tes finances font quoi? Quand ton business, ça tourne. Hello? Donc tu ne parvenais même pas à visionner. Et quand tu as entendu que le prophète venait ici là, tu étais très très content. Hein? Oui. Et quand tu es arrivé ici là hier, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Je ne voyais même pas les écrans qui sont derrière là. Donc c'était seul quand je vais un peu regarder la télé, j'ai eu une forte migraine dans la tête. Donc tu ne pouvais pas visionner les écrans là? Non. Chaque temps que tu fixais tes yeux sur l'écran, ta tête te faisait mal. Oui. Et après la prière, qu'est-ce qui s'est passé avec toi maintenant? Après la prière, j'ai commencé maintenant à regarder dans les écrans. Et depuis là, depuis la journée, si j'ai visionné à la maison, je n'ai vu des problèmes. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Donc ça veut dire que tu peux regarder l'écran direct. Oui. Pardon, place-toi là-bas, va à l'écran, regarde l'écran là. Place-toi même à côté, va à côté. Va à côté, regarde l'écran là pour que tout le monde voit. Faut pas qu'on dise que le prophète a monté pour guérir la notre sœur. Le prophète avait déjà programmé. Parce qu'il y a les Thomas. Il y a les qui? Est-ce que vous croyez qu'il y a les Thomas? Oui, c'est pour ça que Dieu a dit à son serviteur que tous les gens qui font comme les Thomas, venez dehors. Et vous avez vu comment ils sont venus dehors, non? Et la puissance de Dieu les a traqués boum à terre. Ce n'est pas ça? Ils ont fermé les bouches. Hein? Pardon, ma soeur, regarde bien. On montre quoi là-bas? Le peuple de Dieu qui est assis un peu partout. Tu vois le peuple de Dieu qui est assis un peu partout? Oui. Et quand tu regardes, comment est-ce que tes yeux réagissent maintenant? Ils sont à l'aise, très à l'aise, mais je n'ai plus les maux de tête. Tu n'as plus les maux de tête? Oui. Ça veut dire que l'esprit qui te tourmentait là, le Seigneur Jésus-Christ, qui t'aime vraiment, a retiré ça. Oui. Et maintenant tu as retrouvé ta bonne santé. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu vous bénisse.
au nom puissant de notre Jésus-Christ. Population de Mbunda, people of Mbunda, soyez bénis. Be blessed. On doit s'agenouiller devant notre Seigneur Jésus-Christ. We must bow down to our Lord Jesus Christ. Et l'adorer. And worship him. Parce qu'il est roi. Because he is king. Il est roi des rois. He is the king of kings. Il est Seigneur. He is Lord. Le créateur du ciel. The maker of the heaven. Et la terre. And on the earth. Et tout ce qui est sur la terre. And everything under the earth. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. C'est vous seul notre Dieu. You are our only God. On n'a pas Dieu. We have no other God. On a un seul Dieu. We have only one God. Et Seigneur Jésus-Christ, c'est vous seul. And Lord Jesus Christ, you are the one. Reçois la gloire. Receive the glory. Reçois la gloire. Receive the glory. Reçois la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Receive the glory, Lord Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. Nous te remercions parce que vous avez fait. We thank you for the fact that you have venu tout ce monde ici. You have brought these people here today. Ce n'est pas par notre force. It is not by our own ability. Pas par notre habileté. Not our own ability. Mais c'est par votre amour. But it is because of your love. Et par votre miséricorde. And your mercy. Que vous avez amené toute cette population ici. That you have gathered your people here today. Seigneur Jésus Christ. Lord Jesus Christ. Ceux qui sont encore en route à la maison, qui sont en train de venir. Those that are still on the way. Protégez-le. Et les amener ici and bring them here, pour qu'ensemble on vous adore. So that together we might worship you. En ton nom, Seigneur Jésus Christ, on a prié. In your mighty name, Lord Jesus Christ, we have prayed. En ton nom, Seigneur Jésus Christ, on a prié. In your mighty name, Lord Jesus Christ, amen. Amen. Rise up and clap for Jesus Christ. Levez-vous, acclamez pour Jésus Christ. Clap for Jesus again. Acclamez pour Jésus, pas de plus. Amen. Amen. On est ensemble. Are we together? On se comprend. Do we understand each other? Applaudissez pour Seigneur Jésus Christ. Clap for our Lord Jesus Christ. Ok. Ok. La personne qui va applaudir le plus fort, c'est la personne qui va réussir aussi le plus grand. The person that will clap the most is the person that will receive the most. Amen. Amen. Je vous dis, peuple de Dieu, I tell you, people of God, il n'y a pas deux endroits de joie. There are not other, there is no other place of joy. Seulement dans la présence de Dieu. Only in the presence of God. La seule environnement de joie, c'est dans la présence de notre Créateur. The only area of joy is in the presence of our Creator. Je veux vous dire d'abord. I will first of all tell you. Entre deux personnes. Between two people. La personne qui a crié. He that created. Et celle qui n'a pas crié. And he. Choisissez entre ces deux personnes-là. Qui peut avoir l'amour sur ce qui a été créé? Between both people, qui? Who can have the love? Qui? Qui? Who? Oh, on n'est pas ensemble. Qui? À haute voix. Allowed. Et notre Créateur, c'est qui? And our Creator is who? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Our Maker is Jesus Christ. C'est lui qui peut nous aimer. Sans délimitation. He's the only one who can love us without limits. Amen. Amen. Les lieux sacrés ne peuvent pas nous aimer. The sacred les crânes ne peuvent pas nous aimer. Scores cannot love us. Escape. No. Vous avez compris hier, non? On you a dit yesterday. On commence encore aujourd'hui. You have started again today. Aujourd'hui encore, ça serait plus fort. You will be stronger today. Applaudissez pour Seigneur Jésus Christ. Put your hands together for Master Jesus. Tourne-toi, tu regardes ton voisin, dis voisin. Ton affection, c'est nébo. Voisin. C'est nébo. Recevez la lumière de Dieu. Receive the light of God. Recevez la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Receive the light of our Lord Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. Recevez l'amour de Dieu. Receive the love of God. Regarde ton voisin. L'amour de Dieu me fait danser. Oh, ah. L'amour de Dieu. Vous êtes prêts pour danser aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts pour danser? Are you ready to dance? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ
préparé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de quoi? Voilà. Dis que voisin, regarde, il y a une seule chose que Dieu nous a demandé. L'homme sur terre, adorez-moi. You living being on earth. L'homme sur terre fait quoi? Adorez-moi. Répétez, l'homme sur terre fait quoi? Jésus-Christ nous a demandé seulement l'adoration. The only thing we require from us is what? Est-ce qu'on peut donner l'argent à Dieu? Can we offer him money? Est-ce qu'on peut donner le matériel à Dieu? Or material? On peut donner que quoi seulement? What can we give him? Cette adoration. It is only this worship. Et danser pour lui. And dance for him. Est-ce que vous êtes prêts pour danser? Are you ready to dance for him? Dites que voisin. Say never. Je veux danser aujourd'hui. I want to dance today. Parce que l'amour de Dieu chantait dans moi. Because the love of God is singing within me. L'amour de Dieu me fait crier. Yeah.
va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner.
connaissons. Are we there? Est-ce que nous y sommes? John chapter 8. Jean chapitre 8. Verse 32. Verset 32. Is everybody listening to me? Est-ce que tout le monde m'écoute? Can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter à partir d'ici? Là-bas derrière, est-ce que vous m'écoutez là-bas derrière? Behind there, are you getting me? C'est bon là-bas derrière? Ok. On est ensemble? Are we together? Ok. Jean chapitre 8. John chapter 8. Verset 32. Verse 32. I read it to you. And you will know the truth. And the truth will set you. You shall know the truth, and the truth shall set you. En français. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaissez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. On dit que vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth. Et la vérité vous fera de vous des hommes libres. Fera des hommes. Ça veut dire que la vérité va amener la libération. It therefore means that the truth will bring freedom. Ok. Clap for Lord Jesus Christ. Applaudissez pour notre Seigneur Jésus Christ. Avant, tu ne connaissais pas la vérité. Before you were ignorant, not knowing the truth. La Bible a dit que the Bible has told us that tu vas connaître la vérité. That you shall know the truth. Et c'est la vérité qui va vous donner la liberté. And it is the truth that will give you freedom. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? It therefore means that il y a certaines choses que tu dois connaître. There are some things you must know. Et c'est ces choses-là que tu connais qui va t'amener la liberté. And these are the things that will set you free. On se comprend? Ça veut dire qu'il y a d'autres choses que tu connaissais qui t'attachait. It means you knew some certain things that were wrong. Donc, quand tu vas connaître l'autre, si ça va plus te so libérer. It will set you free. On se comprend? C'est comme on n'est pas ensemble. On est ensemble. Soyons actifs pour montrer qu'on est ensemble. Amen. Active to show that we are together. Amen. Je dis, il y a certaines choses que les gens connaissaient dans les années passées. There are some things people knew at first. Dans les anciens temps. In the past. Ça a arrêté les gens. It has hurt people. Ça a rendu les familles captives. And it has made some families. Ça a mené la pauvreté. It has brought poverty. Les maladies de gauche à droite. Sickness from right to left. Les morts partout. Death. La limitation. Limitation. C'est un regret même. Others are even regretting. C'est parce que c'est ce que tu connaissais avant. It is because that is what you knew. Qui vous a mené dans la captivité. That make you captive. Mais Jésus-Christ dit quoi? But what does Jesus say? Tu vas donc connaître la vérité. You will therefore know the truth. Et ces choses que tu connais nouvellement. And these things you know now. Va t'amener la liberté donc. Will bring you freedom. Ça veut dire que les nouvelles choses que tu vas connaître. It means this new thing you know. Va changer ta mentalité. Will change completely your mind. Va changer et enlever les anciens là. Pour que tu connais les nouveaux si maintenant. So that you knew these new things. Et quels sont les nouveaux? And what are these new things? On commence. Et la seule route qui amène à la bonne vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. The only route that gives you good life. Voilà ce qu'on appelle la bonne nouvelle. This is what is the good news. On appelle ça quoi? La bonne nouvelle. The good news. Permettez-moi de vous expliquer. Allow me to explain you. Si vous voyez que je suis un homme de Dieu, permettez-moi de vous dire donc la vérité. If you believe I'm a man of God, let me tell you the truth. C'est caché. It is hidden. C'est caché de vos yeux. It is hidden from your eyes. Amen. Amen. C'est caché. It is hidden. Ce qui vous arrête. What is holding you back. Et qui vous rend captif. And making you captive. On a caché ça. On a fait quoi? They have written it. C'est qui seul qui peut voir? Qui voit là-bas? Il a vu, il m'a donc dit comme son serviteur de venir vous dire. Holy Jesus has seen it and has sent me to come and tell you as his servant.
Voilà donc la vérité. This is now the truth. Les familles, les villages, the families, the villages, ont amené ce qu'on appelle la tradition. Have brought what we call tradition. La tradition, c'est en deux faces. Tradition is in two faces. Tu me parles de culte des gens, je peux vous comprendre. Mais tu parles de la tradition, je vais vous expliquer certaines choses. Il y a les noms qu'on vous a donnés par la tradition. Voilà les secrets, commencez à comprendre un à un. Les papas là, les mères là, les gens de la tradition là, les notables, tous ces gens là, ne vont rien vous dire. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Ce qui est caché derrière la tradition. Ils ne vont jamais vous dire. They will never tell you. Est-ce que tu sais que, regarde-toi, toi qui es assis là. Demandez ton nom. Ton nom, ça veut dire quoi? Ask the meaning of your demande-toi name. Demande-toi d'abord. Quel est ton nom? Ça dit quoi? What is the meaning of your name? Ask. Demande-toi. Ton nom, c'est qui? Ça veut dire que quoi? Donné par la tradition. Est-ce que vous savez que la plupart des noms de famille, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? De la tradition. Most of family name come from tradition. Ton nom, c'est qui? So what is your name? Je veux voir, dis vos noms c'est qui? Et puis, tu donnes ce que ça veut dire. So give you la signification. L'explication. Vos noms c'est qui? Parce que ton nom c'est ce que tu vas devenir. Because hey, ça va, ton nom c'est quoi? C'est ce que tu représentes sur cette terre. It is what you represent on earth. Ton nom c'est qui? Hein? Chofo, dis-moi quoi? Ça veut dire quoi? What's the meaning of chofo? Hein? Lolo. Lolo. Lolo, c'est quoi? What does Lolo mean? Le chapeau de. Du chef. Oui. Tu as compris, non? The cap of the chief. L'autre dit que chofo, ça veut dire que le chapeau de chef. Et tu vas rester sur. Tu es sur la tête des chefs. On the head of the chief. Si tu es le chapeau de chef, tu ne peux pas rester chez toi. Tu dois être sur le. Le chef va te porter tout le temps. Tu vas vivre ta part de vie comment? L'autre, c'est qui? Hein? Mon nom, c'est Tassé. Ça veut dire que quoi? La terre de Dieu. La terre de Dieu. Mm-hmm. Voilà un bon nom. Là, c'est qui les. Tchingou. 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 Et puis, ça va dire. il donne aux autres pour devenir grand. Tu es devenu grand. Tu es devenu grand. Non, c'est pas ça. Hein? Tu es aussi. Bien. Tu es donc devenu grand. Non. Have you become great? Je m'appelle Jingu. Donc, en notre patois, ça veut dire c'est quelqu'un qui donne pour que demain. Dieu lui fait de lui quelque chose. On t'a menti. Tu es donc devenu grand. On t'a déjà donné. Ou non? Ou non? L'autre. Dieu merci. En français, Dieu merci. En patois, Dieu merci. Ça veut dire comprendre à Dieu. Dieu merci. Voilà, ça c'est un bon nom. L'autre. Ça veut dire que quoi? Tu ne vas plus pisser au lit. Viens d'abord, viens en prie. Mon ami, viens. Venez. Ici là, les noms, c'est quoi? Nombusi, ça vient. Ça veut dire que quoi? Tout à Dieu. Ça veut dire que quoi? L'enfant du chef. Tu es l'enfant du chef. Donc tu es? Hein? Tu es le? Les chefs ou les reines? Tout à l'heure, on va arrêter les chefs là-bas. Hein? Les chefs de village sont dans les gens comme ça. Tout à l'heure, le Seigneur va les attraper. Vous allez connaître les secrets de village. You know
toi reste des biens à niveau de ce que tu dis que ton ange est qui? C'est Chinda. Ça veut dire que quoi? Quand j'appuie sur le lit. Quand tu appuies sur le lit? Ouais. Vous riez, quels sont vos noms? Pisser, il pisse au lit, que pour vous c'est pisser en route? Oui. Ma faute. Ça veut dire que quoi? La mère des chefs 3. Quel chef? Il ne sait pas la dire, des 3 chefs. Oui. 3 seuls comme ça. Comment le monsieur s'il va pisser au lit, tu ne vas plus pisser au lit? Amen. Tu ne vas plus pisser au lit. Amen. Thank you, Lord. Be free in Jesus' name. Voilà. Amen. L'esprit de pisser au lit est parti. Ok. Amen. Voilà. Vous allez voir que il y a les parents qui ont refusé la tradition. Et ils donnent leur vie à qui? À Dieu. Ok. Voilà. Vous allez donc analyser sous les noms. Amen. Deuxième chose. Secondly, il y a les traditions qu'on fait. On fait les sacrifices. On fait quoi? Les sacrifices. À qui? Ouvrez vos yeux. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité va t'amener la libérer. Les sacrifices là, on fait à qui? Non, on fait les sacrifices donc à qui? Ce n'est pas au crâne. Non, ce n'est pas au diable. Il faut connaître exactement ce qu'il y a. Je vais donc vous expliquer. Voilà, amène le micro ici. On fait ça à qui? Aux ancêtres. Voilà, aux ancêtres. Alors, la Bible donc dit que il ne faut jamais adorer les esprits des ancêtres. Amen. Donc, c'est ça qui aussi rend les gens captifs. This is what captivate people's life. La Bible dit que quoi? Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul. There's only one God. In the book of Exodus. Worship no other God but me, Lord. Et donc, quand tu ne connais pas donc cette vérité, n'est-ce pas, tu vas dire que non, c'est la tradition de mon village, tu peux le faire. Et quand tu fais, tu as catégoriquement refusé Dieu qui nous a créés, tu as donc adoré une autre Dieu. You have rejected our God and you worship another God. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Vous allez donc voir que il y en a certaines choses que l'homme est en train de faire et que Dieu a refusé. There are things that the man is doing that God has rejected. Et quand Dieu a refusé, tu continues à faire. Tu vas voir comment il y aura les problèmes de gauche à droite. What, when you do what God has denied you, les problèmes de gauche à droite. From right to left. Je suis très content parce que aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vous a amené de vraiment connaître la vérité et la lumière qui va vous sauver. Amen. Amen. Et la seule vérité, c'est quoi? Abandonnez tout ce qui n'est pas de Dieu, vous donnez votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut avoir l'amour pour nous. Amen. Et quand vous regardez autour de nous, vous allez constater que il y en a les maladies dans les gens. Ce n'est pas Dieu qui a jeté, c'est le diable. C'est quoi? C'est le diable. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Clap for Jesus again. Clap for Jesus again. Amen. Amen. Vous allez voir que vous dormez. Sometimes you sleep. La nuit. In the night. On vient vous appuyer. They come and press your neck.
Ça vous arrive, non? It used to happen. Vous dormez, vous voyez seulement un homme. Il vient coucher avec vous dans le rêve. You see a man that will come and sleep with you in your dreams. Bon? Est-ce que ça c'est bon? Is that good? On appelle ça mari spirituel et puis femme. Femme. C'est comme on n'est pas ensemble. It's as if you are not together. On est ensemble. Parlons donc. Quand les gens sont ensemble, n'est-ce pas, ils parlent ensemble. When people are together, they voilà. Communicate together. Quand tu dors, when regardez, la tradition, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans les eaux. Chez vous là, il part où? Dans les eaux. Il fait l'incantation là-bas. Il fait les sacrifices. Il dit que c'est la tradition. They go and make sacrifices in water. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Are you aware of that? Que les gens de tradition là, les notables, les gens de village, ils partent dans les eaux, ils font la tradition, ils font les sacrifices. Vous êtes au courant? Hein? Qu'il y a les hôtels de village à côté des eaux, ils partent là-bas faire les sacrifices. Il y a certains que c'est les arbres, ils partent là-bas faire les sacrifices chaque année. Vous n'êtes pas au courant des arbres? Est-ce que vous êtes au courant que il y a les arbres, peut-être au centre du village, peut-être en brousse ou quelque part, on appelle ça les lieux sacrés du village. Vous connaissez? Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est que Jésus-Christ qui peut voir les aspects spirituels. Et il m'a envoyé de venir vous donner les détails. Vous êtes prêts pour connaître les détails? Are you ready to know the details? Ok. Maintenant, non. Les lieux sacrés là qui sont peut-être au centre des villes, des villages, jour de marché, certains c'est les jours de marché, non? Les eaux, hein? J'ai dit, vous, on est ensemble. Viens au village, posséder les jeunes filles, posséder les garçons. Tu dors la nuit, tu vois comment quelqu'un vient faire le sexe avec toi. Tu as fait quoi à qui? Tu as fait quoi à qui? Voilà. Et quand cette mari spirituelle, toi jeune fille, il vient coucher avec toi tout le temps, ton mariage c'est un problème. Tu serais toujours dans le célibat. And when they're making sex with you, you always be. Il va faire les sacrifices là. Pourquoi? Pour envoyer les serpents sur vous. Vous dormez, vous voyez que les serpents qui viennent vous entourer. Oui, vous ne voyez pas les serpents dans les rêves. Vous voyez les hommes viennent coucher avec vous. Les femmes viennent faire le sexe avec vous. Vous ne voyez pas? C'est les esprits qui viennent dans les lieux sacrés. Et quand ils parlent comme ça, tu vas comprendre, ils parlent, ils adorent, ils parlent, ils font les incantations. Ils donnent l'huile, ils donnent le sel. Ils donnent quoi encore? Là. La cola. On donne encore quoi? Les chèvres. Les tinnitus et encore c'est quoi? Les 20 litres d'huile. Oui. Ok. Vous ne voyez pas que toutes ces choses-ci, c'est les sacrifices qu'on donne au Dieu de l'eau, Dieu de cailloux, Dieu des arbres, Dieu des carrefours, Dieu des montagnes, que Dieu a dit qu'il y a un seul. Ok, vous croyez que c'est ma parole? Je veux lire ça, vous allez comprendre. Give my Bible. Ouvrez vos Bibles. Exode chapitre 20, on commence avec la verset 1. Je veux lire en anglais. Chapter 1. Then God gave the people all these instructions. Vas-y en français. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. À toutes, ça veut dire que quoi? À nous tous, c'est ça? Ok. Et quelle est la parole? Numéro 1. Voici donc les paroles que Dieu nous a données. Dis à tout le monde numéro 1. Voici le numéro 1. I am the Lord your God who rescued you from the land of Egypt,
the place of your slavery. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est notre Dieu qui nous a délivrés des mains des diables sur la croix de... Sur la croix de... Deuxième commande. You must not have any other God but me. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hein? Le deuxième commande c'est quoi? Tu n'auras lis ta Bible. Je vais vous dire la vérité. Si vous êtes là seulement pour que je prie pour vous, ça ne va pas marcher. Mais si vous êtes là pour écouter ce que Dieu a dit, ça va marcher. Ce n'est pas moi qui va vous guérir, c'est Jésus-Christ qui va vous guérir. Donc, ton secret de guérison et libération, c'est de participer dans sa parole de Dieu. Pour être nettoyé pour de bon. Même si je prie maintenant, tu es guéri, tu rentres. Que tu ne connais pas la parole de Dieu, ça va revenir pas un seulement. La Bible dit qu'ils vont devenir 7 plus 1. Ça revient 8 démons. Ça revient plus grave qu'avant. Donc c'est une obligation de connaître la parole de Dieu. Et voilà ça que je vous lis. Deuxième commande, you must not have any other God but me. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que... Que qui? Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant donc, au village, ils ont fait différents dieux, différents dieux, différents dieux. Est-ce que c'est Dieu aussi maintenant? Est-ce que c'est cet Dieu? Il est temps de sortir de cette captivité. Et quand ce qui est très pire, toutes ces maladies-ci, épilepsie, fracture, les accidents, toutes ces choses, c'est ces esprits-ci qui vous amènent tout ça. Vous ne connaissez pas, c'est moi qui vous dit, selon ce que Dieu m'a expliqué et m'a montré. Vos enfants sont affligés, les intelligents sont pris, c'est tous ces gens-ci, surtout les notables-là. Vous comprenez? Quand vous regardez les maisons de notables là, chacun a son animal là-bas, non? Vous ne connaissez pas? Je ne suis pas contre les notables, mais je suis contre ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas contre les... Mais je suis contre les activités. Parce que ça rend les peuples de Dieu captifs. Première chose, vous êtes obligés d'abandonner toutes ces adorations et donner votre vie uniquement à Jésus. Si tu es ici, que tu as encore les crânes chez toi, je veux voir ta main à vous. Que tu as encore les crânes chez vous. Tu as encore les crânes chez vous. Les mains à haut, vas-y. Tu ne mets pas ta main, Dieu te voit. Il est là, il te voit. Tu veux cacher à qui? Dieu voit partout, hein. Mettez les mains, si tu as encore les crânes chez vous. Tu vois les mains. Mettez les mains en haut. Les mains en haut. Les mains. Bien. Les mains en haut. Vous voulez cacher. Mettez bien les mains en haut. Ok. Je vais vous poser la question. Vous voulez donc adorer que Dieu? Laquelle? Le Dieu de... Jacob. Vous voulez adorer le Dieu de Jacob, n'est-ce pas? Vous êtes prêts donc d'abandonner tout ce Dieu-là? Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez peur d'enlever, non? Parce que on a les armées de Dieu ici qui sont prêtes à vous aider le matin et demain. C'est ce que vous voulez? Ok. On vous a effrayé avec les crânes. J'ai compris même que pour transporter un crâne d'un endroit à l'autre, on doit faire les sacrifices. Faire les sacrifices parce qu'ils ont peur des esprits de mort là. Nous, hein, nous on botte ça qu'avec le pied gauche. Et si vous avez les hôtels chez vous, quand vous avez trop peur,
que ça va vous détruire. On est là très tôt le matin. On vient nettoyer le chevou et on installe Jésus-Christ là-bas. Tu commences à dormir en paix. C'est bon comme ça, non? Ah, vous allez même me témoigner. Je sais qu'il y a les gens ici qui peuvent dire la vérité. N'est-ce pas? La nuit hier à aujourd'hui. La plupart des gens qui étaient ici hier, vous avez bien dormi aujourd'hui? Hein? Vous avez bien dormi, non? Hein? Parce qu'il y a le nettoyage qui se passe. Le nettoyage, voilà. Le diable est venu pour trois choses. Dis à ton voisin. Le diable a trois caractères. C'est trois caractéristiques ou caractères? Caractéristiques. En tout cas, vous m'avez compris. Vous avez compris, non? On avance même, on avance. Donc, ils sont dans la Bible, dans la Bible. Ouvrez dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Je vais vous dire les trois caractéristiques des diables. Ok. Est-ce qu'on est là? Je peux vous lire ça? Non, je veux qu'un frère lit. Frère, pardon, lève-toi, tu lis. Lis. Jean chapitre 10, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Ok. C'est moi qui ai dit que le voleur, non? Le voleur, c'est qui? Il est venu pour dérober. Dérober. Fais encore comment? Fais encore comment? Voler. Toutes ces caractéristiques-là, vous aimez la cœur? Vous aimez la cœur? Ne parlez pas. Ne parlez pas. Vous aimez la cœur? Vous aimez un ou deux? Rien, non? Quand vous dites que vous aimez rien, aucune de ces caractéristiques vous plaît, non? Comment donc Satan, son auteur lui-même, vous plaît alors? Hein? Si toutes ces caractéristiques-là ne vous plaisent pas, comment les auteurs démoniaques vous plaisent jusqu'à vous partir adorer? Dis que Ish! Dis que Ish! On va lever. Que Dieu qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui n'a même pas les pieds. Hein? Ça n'a même pas les pieds. Il ne voit pas. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Hein? Est-ce que tout le monde me voit ici là? Attends, avant d'aller là-bas, je vais vous dire encore une autre. Ouvre. Je vais travailler avec mon frère-ci. Il connaît l'île français. Tu sais qu'on travaille ensemble, non? Tu m'aides, non? Voilà. Les gens, c'est seulement que je parle le mauvais français, là, rire. Donc, tu couvres encore 1 Corinthiens 10. Je dis au nom de Jésus. Je dis que c'est un sacrifice. On me sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est moi qui a dit. Il faut une autre Bible. Qui a encore une Bible ici là? Non, anglais comment? J'ai anglais ici. Si c'était l'anglais, j'ai devant Brocam ici là. La Bible en français. En français? Ok, lis. Regarde comment tu es grand et galant. Regarde comment ta Bible est petit. Hey! Et c'est là comme ça, mon frère. Lis alors, lis, on va comprendre. Ce que ça dit seulement, c'est que ma page dit. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez
en communion avec les démons. Voilà. Voilà. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ encore. Donc, tous les sacrifices là-haut, les chèvres, les poules, les gingibres, l'huile rouge, le riz là, qu'on fait, c'est à qui? Et quand on sacrifie, on entre en communion avec qui? Avec les démons. Les démons là sont venus pour faire quoi? Tuer, voler et détruire. Applaudissez pour Jésus-Christ. Vous allez le faire encore. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous amènera la liberté. Voilà la vérité. La vérité de ce soir, voici ça. C'est pour ça qu'on coupait la lumière, qu'on n'a pas cette vérité. On a maintenant. Est-ce que vous avez cette vérité en main? Oui. Vous avez ça en main? Oui. Si toi la vérité c'est en main, je veux voir la main en haut. Dis que je fais comme ça, j'ai la vérité là. Je vais utiliser. Parce que ma vie a reçu déjà la lumière. Au nom de Jésus-Christ.